Nous sommes arrivés avant le déjeuner. Mes parents sont repartis après la tarte aux fraises et le petit verre de poire servi par grand-papa. J'ai 9 ans et j'ai une valise pour moi toute seule. Je n'aime pas trop que mes parents me laissent. Je suis en vacances chez mamie et grand-papa pour 10 jours. Chez eux, tout est bien rangé. Les bûches par taille, les livres par ordre alphabétique, la collection de dés à coudre dans la vitrine, la voiture d'or sous sa couverture. Il y a du gravier devant la maison pour ne pas ramener de la boue. Le salon sans la cire et la cuisine, l'eau de Javel. Demain, nous irons au lac. Mais en attendant, il fait déjà nuit. Pour aller me coucher, je dois passer devant la grande corne. Grand-papa m'a dit qu'elle appartenait à un animal sauvage, une espèce de pachyderme. Au plafond, je vois des yeux d'animaux qui me fixent. Et quand j'éteins la lumière, ils me regardent encore. Pour m'endormir, je ne compte pas les moutons. Moi, je tue des monstres. La nuit, il y a toujours le parquet qui craque devant ma chambre. Mais que veux-tu qu'il t'arrive, me dit mamie. Rien ne peut t'arriver ici. Grand-papa va réparer ce vieux parquet. Dors. Alors, je me cache dans la tapisserie. Je m'allonge dans les fleurs. Et je ferme les yeux. Que veux-tu qu'il t'arrive? Dors. Dors. Me répète mamie. Grand-papa a de grosses mains qui gigotent comme des araignées quand il fabrique ses appâts. Un jour, l'hameçon s'est planté dans mon doigt. Grand-papa a plaisanté. Il n'avait jamais pêché aussi beau poisson. Puis, il a fait le bisou qui guérit tout. Je n'ai plus eu mal, mais l'odeur de sa salive est restée toute la journée sur mon doigt. Ce matin, grand-papa a enlevé les petits trous. Il m'a dit « Tu vois, tu es grande maintenant. » D'habitude, il arrive toujours le premier. Aujourd'hui, il m'a laissé gagner pour me faire plaisir. Au bord du lac, il y a toujours des cris d'enfants. Et sur la route, des crapauds écrasés. Tout plat, tout sec. Comme des chewing-gums de prince charmant. Après le goûter, si ça ne mord pas, j'ai le droit de me baigner.
Quand on oublie mon maillot, je me mets en culotte. Même si grand-papa dit que personne n'en perdra la vue, je n'aime pas trop ça. Grand-papa ne me quitte pas des yeux. Un jour, une dame s'est noyée dans le lac. Ses cheveux étaient comme des algues. Et son corps, tout blanc. Parfois, après le dîner, il m'emmène dans la forêt pour écouter le bruit des animaux. Grand-papa me chuchote de ne pas bouger. Il me demande de surtout rester silencieuse. Cette fois-là, mamie s'est inquiétée. Elle trouvait qu'il faisait froid pour une nuit d'été. Les craquements du bois me rappellent la forêt. On dirait que c'est les os de grand-papa qui éclatent et que c'est son squelette qui va nous réchauffer. Que veux-tu qu'il t'arrive ? Rien ne peut t'arriver ici. Dors. Cette nuit, il a neigé et grand-papa est mort. J'ai demandé à mamie pourquoi grand-papa coupait toujours les boutons de rose. Elle m'a répondu qu'il n'aimait pas voir les fleurs fanées. Je ne suis pas souvent retournée voir mamie. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait recollé la grande corne. C'est bien après la mort de mamie que j'ai enfin réussi à noyer le pachyderme. Mais le lac ne sera jamais assez profond.